Voilà, monsieur, bonsoir. Merci de suivre les programmes de CVK LVD. Bienvenue à votre émission Lisons ensemble. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un auteur. Il est auteur, enseignant-chercheur à l'Université de Gawa, conférencier en leadership et en développement personnel. Il est titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine et d'un master en leadership. Il s'agit de monsieur Hyacinthe Wenlarima-Ouédraogo. Monsieur Ouédraogo, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Souris. Alors, merci d'honorer notre invitation et d'être présent sur ce plateau. Ok, merci bien. Voilà. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce livre Révolution de ta vie, qui est une série. À cette émission, on parle du tome 1, Les secrets de la mentalité de gagnant pour une réussite personnelle. Il s'agit bien là d'une restitution inédite de best-seller, comme vous l'avez dit entre parenthèses. Mais à la première page de cet ouvrage, il y a des citations qui captent l'attention du lecteur, bien sûr. Vous dites, la nature est pourvoyeuse d'emplois, ne confondez pas votre type de profession et votre entreprise. La profession est liée au quotient intellectuel alors que l'entreprise est liée au quotient émotionnel. Et tous ceux qui se limitent à la profession n'expérimentent pas le vrai succès. Alors, qu'est-ce que M. Ouédraogo veut dire à travers ces citations? Bon, je vais dire simplement que l'homme doit apprendre à se déployer, parce que l'homme a un potentiel, et c'est par l'introspection, et c'est par la vision qu'on arrive à découvrir ce potentiel qui est une dotation divine, qu'on arrive aussi à l'extérioriser. Je vais dire que le plus souvent notre éducation en Afrique, ici au Burkina Faso, focalise l'attention de la jeunesse sur l'emploi, sur une rémunération salariale. Voilà pourquoi j'ai dit que la nature est pourvoyeuse d'emplois. Si on a l'occasion ou la chance d'être employé par l'État ou par le privé, c'est bien. Mais si on n'a pas cette chance-là, la nature qui nous environne est source d'emploi à chacun donc de réfléchir sur sa vocation et en tout cas de faire quelque chose. Vous abordez le QI et le QE, qui est le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Quelle est la différence entre ces deux termes? Ok, le QI, qui est le quotient intellectuel, ça c'est le capital d'intelligence que l'on peut emmagasiner durant son parcours scolaire, académique, ou en tout cas la somme des expériences dans la vie. C'est la connaissance intellectuelle, les mathématiques, l'histoire, la géographie, voilà, l'informatique, tout, tout, tout. Voilà, alors que le QE, cette capacité d'utiliser son quotient intellectuel pour l'adapter à son milieu, à son environnement. Cette capacité d'entreprendre, c'est aussi, j'allais dire, une valeur intérieure. C'est lié plus à notre personnalité, notre capacité de manager les situations, d'être focus, d'être déterminé, d'être persévérant. Voilà. Et de commencer et d'aller jusqu'au bout. Alors, je rappelle à ceux qui viennent de reprendre en marche que nous parlons de révolutionner sa vie. C'est le tome 1, c'est une série bien sûr. C'est ça. Pour cette émission, on s'intéresse au tome 1. Et alors, on va aller chapitre par chapitre. Au premier niveau, vous parlez du plus grand vendeur du monde. Et là, vous évoquez un auteur. Parlez-nous bien sûr de cet auteur-là. Oh, ok, ce que je peux dire à Ogman Dino, c'est un grand écrivain. Il est américain de nationalité et il a assez d'écrits, assez de best-sellers. Et on peut dire que c'est un motivateur, c'est un coach, c'est un auteur qui s'est surtout intéressé sur le développement personnel. Et il a en tout cas assez d'écrits que j'ai lus. Et dans ce premier tome-là, je m'attarde sur un de ces documents phares qui est donc le plus grand vendeur du monde. Voilà. Alors, il y a des pensées préliminaires qui captivent un peu l'attention. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. L'abattoir que représente l'échec ne fait pas partie de ma destinée. C'est dans son cœur et non dans sa bourse que l'on retrouve la véritable richesse. Alors, au niveau de cette partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Faut retenir que bon, d'emblée, l'auteur jette des idées, comme je l'ai fait aussi sur la couverture là, pour essayer de capter l'attention du lecteur.
Voilà, donc il est en train donc de situer l'importance de son ouvrage sur le plus grand vendeur du monde. Et il dit que l'homme doit rester donc focalisé, l'homme doit être déterminé, savoir qu'il n'est pas sur terre pour ressembler aux autres, mais doit donc définir ou du moins découvrir sa mission et s'engager pour la réussir. Alors, au niveau de ce chapitre 1 qui est consacré au plus grand vendeur du monde, on a plusieurs parchemins. Nous commençons par le premier parchemin qui dit « Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie ». Alors, de quelle vie il s'agit et comment débuter cette nouvelle, nouvelle vie. Comme vous l'avez dit, il faut dire que le plus grand vendeur du monde est subdivisé en plusieurs chapitres correspondant donc à des parchemins. Et quand on dit parchemin, il faut dire que Ogmandino, dans cet écrit, nous révèle qu'il a reçu ce savoir-là. C'est un savoir antique, c'est un savoir des âges, de profonds âges passés. Et il dit que ça a été transmis de génération en génération. Donc, et chaque parchemin est une mine d'informations sur comment faire le commerce. Et de nos jours, on peut dire sur comment entreprendre. Tous les parchemins reviennent sur, j'allais dire, comment cultiver une forte personnalité. Parce que si je vais résumer l'œuvre avant qu'on aille par parchemin, il veut comprendre que l'homme doit réussir avant de se lever. Tout doit se trouver dans sa tête, dans sa mentalité. Parce que le plus souvent, les gens pensent que non, il faut se lever avant de voir la réussite se manifester. C'est vrai, mais tout se passe à l'intérieur. Tout dépend de notre personnalité, voilà, du paradigme qu'on a avant donc de se lever. Donc dans le premier parchemin, il dit simplement que la vie, en fait, commencer une nouvelle vie là, c'est savoir que le document va me donner des connaissances. Le document me met en contact avec un univers nouveau, pas qu'on change de monde ou qu'on change de vie, mais la manière de voir le monde, la manière d'appréhender les situations et la manière même de se voir quand on rencontre les problèmes, les difficultés. Comment est-ce qu'on analyse ça? Parce que la vie est une question d'analyse des situations qu'on rencontre. C'est là qu'il dit que je commence une nouvelle vie. Je me débarrasse de ma vieille peau de chagrin et je commence à voir le monde autrement que je l'avais vu jusqu'à présent. Alors, au deuxième parchemin, je saluerai ce jour le cœur rempli d'amour et entre griffes en tour, l'amour deviendra mon arme absolue et personne n'arrivera à se défendre contre cette force invisible à partir de la page 17. Alors, ce deuxième parchemin met un accent particulier sur l'amour. Pourquoi l'amour dans ce sens? L'amour parce que quand on a décidé au parchemin numéro 1 d'entreprendre une nouvelle vie, une vie de réussite et d'impact, une vie qui se départit des lamentations et qui devient responsable, alors il faut commencer par l'amour. Il dit que l'amour est une arme inaltérable, une arme invincible. Il dit que quand on a l'amour en soi, quand dans tout ce qu'on entreprend, ce n'est pas le gain financier ou matériel qu'on vise, mais c'est le service qu'on veut rendre à son prochain qu'on vise, alors quand on a cet amour-là, on ne peut pas échouer. Donc pour lui, puisque comme il est dit, le plus grand vendeur du monde, à leur temps, le vendeur est cette personne ambulante qui va de ville en ville pour proposer sa marchandise aux gens. C'est des caravaniers et voilà, il va rencontrer de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Étant étranger, il peut donc être victime de la haine, du rejet. Et étant aussi une personne fortunée, cette personne peut aussi être victime de harcèlement ou même d'actes de braquage ou autre. Mais dans tout ça, le marchand, celui qui est à la conquête de la richesse, à la conquête du monde, comme de nos jours, à la conquête donc de l'entreprise, là, doit être une personne armée d'amour. À la réponse, à l'acte d'amour, on répond par l'amour. À l'acte aussi de la haine, de la violence, on répond par l'amour. Il dit que c'est le premier secret pour se lancer donc dans la voie de la réussite. D'accord. Alors, je cite un extrait dans la page 19. Hein. Je ne suis pas né vaincu et le sang de l'échec ne coule pas dans mes veines.
Je ne suis pas une brebis qui attend que son berger la pousse du bout de son bâton. Je suis un lion et je refuse de parler, de marcher et de dormir avec la brebis. Je ne prêterai pas l'oreille aux gémissements et aux lamentations des autres, car leur mal est contagieux. Qu'ils rejoignent donc les rangs des brebis. Alors, cela nous permet de parler du troisième parchemin C'est ça. qui parle de persistance jusqu'à la réussite. C'est ça. Voilà. Et cela veut dire que le chemin de la réussite est marqué par des difficultés ou pas? Effectivement, c'est comme je l'ai dit au début, il dit que la réussite doit être intérieure avant que dans notre activité, elle ne puisse se manifester. Et une des qualités de l'entrepreneur, de celui donc qui se lance dans les affaires, doit être la persévérance, savoir persister, savoir persévérer. Parce que dans le document, il dit que le succès peut se présenter au premier essai, comme il peut se présenter au millième ou au dix millième essai. Mais c'est à celui qui se lance là d'être sûr d'une chose. Je me suis levé, il n'y a pas deux alternatives, échouer ou réussir. Il y a une seule alternative, réussir ou réussir. Quand c'est comme ça, il ne reste que la persévérance, la persistance, jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Et il dit par exemple que pour un marchand, on peut passer de porte en porte toute la journée et on peut se décourager peut-être à la 10e porte alors que la bonne vente se trouvait à la 11e porte. Donc il faut persister. Il dit que quelque part là, je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je persisterai tant que je vivrai. Tout souffle de vie que j'ai est une preuve que je dois continuer de persévérer, de persister jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Alors, au quatrième chemin, parchemin, il dit que je suis le plus grand miracle de la nature. Sur quoi il se base, l'auteur se base pour se qualifier de plus grand miracle de la nature? Ok, il le dit parce qu'il dit que il y a des milliers d'êtres sur la terre, des millions de nos jours, des milliards, mais chacun a des traits particuliers. Non seulement nos cordes, nos timbres vocaux ne se ressemblent pas, nos visages, même quand c'est des jumeaux, ne se ressemblent pas. Et nous avons des empreintes digitales. Il y a assez donc de gènes qui font que chaque homme, ça aussi c'est une, c'est la sagesse du Créateur, chaque être humain est différent de par ses gènes des autres milliards d'êtres. Et il dit que voilà pourquoi chaque être est un miracle de la nature. Et étant un miracle, il est aussi condamné à ne faire même la procréation, c'est un miracle parce que c'est une compétition qui commence depuis donc j'allais dire l'utérus de la maman, parce que avant même qu'on ne vienne sur terre. Donc il dit que chaque être humain est un miracle et un miracle né ne peut que accomplir des miracles durant donc son parcours terrestre. Alors à la page 23, vous parlez du cinquième parchemin où il dit que je vivrai cette journée comme si c'était ma dernière. Est-ce que là il manque d'espoir ou que retenir de cette phrase? Il veut dire que il veut parler de la qualité de vie. L'être humain, c'est aussi sa qualité de vie. Il y en a qui se disent non, je suis jeune, alors je peux bâcler mes 25 ans, 30 ans, parce qu'un jour je vais m'assagir un peu et je vais commencer à bien vivre. Lui, il dit non. Autant que nous avons la vision de vivre, autant que nous devons planifier comme si nous allons vivre sur terre toute l'éternité, autant aussi nous devons nous préparer pour quitter la terre à tout moment. Pas que c'est du pessimisme ou un manque de confiance en Dieu, mais il dit que aujourd'hui c'est ce que moi je possède. Demain appartient à Dieu, à l'éternité. C'est aujourd'hui qui est ma possession. Et aujourd'hui, c'est la dernière page de la vie de chaque être humain. Tu ne sais pas ce que demain réserve. Donc, comme c'est la dernière page aujourd'hui là, il faut que cette dernière page du livre là soit la meilleure des pages. Donc, il faut une qualité de vie de tous les jours. Ça permet d'avoir une concentration et d'être donc prêt pour le succès. D'accord. Alors, nous vivons dans un monde où les émotions ont un impact sur la vie même de tout être humain. Et je pense qu'au niveau du sixième parchemin, l'auteur nous invite à être maître de nos émotions. Et comment être maître de ses émotions pour quand on veut entreprendre? Il dit que il faut décider. Quand on se laisse dominer par les émotions,
on va souvent faire des exploits et souvent aussi faire des catastrophes. Ouais. Voilà. Et on peut ne pas reconnaître l'homme qui aujourd'hui a brillamment réussi, demain se retrouve dans les méandres donc de l'échec, parce que souvent on se fie à nos émotions. Lui dit, on domine les émotions par la décision. Il dit, c'est pas parce que je me sens triste aujourd'hui que je dois accepter la tristesse, mais je dois décider. Si je décide aujourd'hui que je serai content, même si mes humeurs me poussent vers la tristesse là, je serai content. Même si je n'ai pas envie de chanter, je peux commencer à chanter. J'ai rencontré une personne, mes émotions peut-être me poussent voilà, à haïr la personne, à ne pas l'aimer. Alors moi je m'impose. Donc il dit qu'on contrôle les émotions par la décision. Je décide donc de discipliner mes émotions selon la direction que je donne à ma vie et non me laisser conduire, dompter par mes émotions parce que je deviendrai une personne insaisissable qui passe donc de la joie à la tristesse ou en tout cas de bonnes émotions aux mauvaises émotions en fonction donc des situations. Vous l'avez dit, on va passer sur le 7e parchemin qui est de sourire à la vie. Mm-hmm. Pour tomber sur le 8e parchemin, aujourd'hui je multiplierai ma valeur au centuple. Mm-hmm. Alors, de quoi il s'agit concrètement à ce niveau? Il s'agit ici simplement de se battre, c'est-à-dire ne pas dormir sur ses lauriers. Ce que j'ai fait hier, c'est bien. Peut-être que je suis fier de ça, peut-être que les gens m'ont acclamé pour ça et on a trouvé que c'est des exploits. Mais je ne dois pas dormir sur mes lauriers. Je dois me dire que ce n'était qu'une étape de la vie. Aujourd'hui, si je suis en vie, je dois multiplier cette performance-là au centuple parce que je peux autant que je veux, autant que je décide là, je peux me déployer mon potentiel pour atteindre d'autres niveaux de succès. Voilà. Et il dit que il ne faut pas l'important n'est pas de surpasser les autres, mais de se surpasser soi-même. Tout à fait. Ce que j'ai fait dans le passé là, de par le passé là, je dois l'oublier et me focaliser sur les expériences futures. D'accord. Alors, on va aller un peu rapidement, sauter un peu, arriver au 10e parchemin qui parle de ma prière. L'auteur dit « Mon existence n'a pas besoin d'être saturée de religion ». Est-ce que là, il néglige la religion ou quoi? Sa prière, c'est quoi? L'auteur ne néglige pas la religion. Quand on lit tous les livres là, on se rend compte que l'auteur est un croyant. Okay. Quand il parle de l'amour, quand il parle donc de maîtriser ses émotions, quand il parle de la persévérance, c'est des termes aussi religieux. Et il parle même de la croyance, il parle de la vision. Et ici, quand il parle de la prière, vous voyez même qu'il parle de prière. Mm-hmm. Donc le fait de parler de ne pas saturer sa vie de religion, c'est juste pour dire qu'il faut se départir des considérations religieuses. De nos jours-là, et qu'est-ce qui fait souffrir le monde? C'est la religion. Le fanatisme. Le fanatisme. Les gens sont religieux, ils se plaisent à aller à l'église ou à la mosquée. Et là même, ça c'est la religion. Mm-hmm. Ils ne cherchent pas le contact avec le Créateur. Ils cherchent à être dans une foule, avoir des pratiques religieuses. Mais quand ils se cachent, ils sont loin donc des yeux des hommes. Ils n'ont aucun respect pour Dieu, alors qu'ils oublient que dans leur lieu secret, Dieu s'y trouve. Donc l'auteur dit ici que c'est bon d'avoir une religion. Mais la religion, c'est dans les faits de tous les jours. La vraie prière, là, c'est respecter son prochain, c'est s'engager pour le travail. Ne pas penser que non, le succès viendra parce que je prie. C'est bon de prier, mais le succès viendra aussi si je m'engage dans l'arène de l'activité, de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, c'est ce qu'il veut dire. D'accord. Par là. Alors, on laisse cet auteur pour aller sur un autre auteur. Dans votre ouvrage, tome 1, révolutionne ta vie. Alors, on parle de 7 décisions à partir du chapitre 2. Et là, le second livre au cœur de nos intérêts, elle est écrit par Andy Andrews. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet auteur? Oui, André Andrews, comme Og Mandino, est aussi de nationalité américaine. Okay. C'est tous de grands écrivains, de grands conférenciers, de grands coachs. Et je peux dire que ces hommes-là ont participé à l'éveil économique aussi des États-Unis parce qu'ils ont eu des foules d'adeptes qui ont cru en leur théorie. Okay. Et cela les a permis donc de participer au développement économique des États-Unis dans divers domaines. Et par exemple, ce livre que nous tenons a été vendu à plus de 6000 exemplaires. 6000 exemplaires. Et je sais qu'on ne parle même pas de production en Europe, en Afrique. Parce que le plus souvent, c'est des reproductions qui ne sont pas comptabilisées. 600 000. Voilà. 600 000. Donc, j'ai dit combien? 6000.
Ah, donc 600 000, 600 000 exemplaires. Voilà, 600 000. Voilà, donc D'accord. voilà, c'est ça. Okay. Et contrairement à Ogmandino qui n'est plus de ce monde, okay. Andy Andrews est toujours, toujours de ce monde. Vivant. Voilà, D'accord. c'est ça. Alors, on va aller vite au niveau des décisions. Hein. Voilà, la première décision, elle consiste à faire quoi, selon l'auteur? Alors... Bon, la première décision, c'est de se lever. Parce que tout le document, les 7 décisions, l'auteur montre comment une personne va rencontrer dans un rêve une personne qui a fait victime d'un accident, va rencontrer des personnes à succès de par le passé. Va rencontrer par exemple le roi Salomon, okay. on va rencontrer ceux qui ont combattu pour la mise en place des États-Unis, uh-huh. les guerres de sécession, uh-huh. et quelqu'un qui va rencontrer Christophe Colomb. Donc c'est assez de découvertes. Découverte. Et chaque, c'est comme s'il remontait le temps. Uh-huh. Uh-huh. Et chaque personne va lui livrer des secrets. Secret. Et à la fin, va lui montrer la décision, donc à prendre. D'accord. Donc, il faut dire la première décision là, c'est savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde dans une décision. Mais il faut se consulter soi-même, mm-hmm. par l'introspection, par une réflexion posée, mais aussi par la prière, pour avoir l'inspiration qu'il faut. Parce que l'homme ne doit pas vivre en déconnexion avec son créateur. Il devient donc un être faible, un être voilà, accessible. Alors. Voilà. Alors, on a aussi une rencontre avec le roi Salomon. Il se base sur les leçons du roi Salomon. C'est ça. Pour parler d'une décision, je vais rechercher la sagesse. C'est ça. Voilà. Il dit que la sagesse est une recherche constante. Parce que là même, il dit que le roi Salomon lui dit que lui qui est l'homme le plus sage du monde, avait quand même des conseillers autour de lui. C'est pour dire que on a toujours besoin des avis des autres. Mm-hmm. On a toujours besoin. Il dit que quand on reçoit la sagesse d'une personne, c'est comme si cette personne a résumé sa vie pour vous transmettre. Donc, la sagesse là doit être au centre de l'action de l'être humain. Par conséquent, on doit la rechercher en permanence. Ne pas être satisfait de la sagesse qu'on a, mais aller toujours à sa richesse parce qu'elle permet de réussir et de faire des exploits. Vous demandez souvent l'avis des autres aussi. C'est ça, D'accord. c'est ça. Alors, au niveau de la troisième rencontre, les leçons de Chamberlain, un héros de la guerre de sécession, mm-hmm. vous l'avez dit tantôt, hein, 1861 à 1865. C'est ça. Et la troisième décision en vue de la réussite permet à l'auteur de dire « Je suis une personne d'action ». C'est ça. Qui pousse l'homme à agir, n'a pas dormi sur ses lauriers. C'est ça. À entreprendre, à se lever pour réussir. C'est ça. Ici, voilà. Chamberlain va lui dire que si la guerre de sécession a été remportée par les nordistes sur les sudistes là, parce qu'en temps lui, il n'avait que quelques militaires, parce que c'était, disons, une armée qui a été combattue. Et entre temps, il n'avait plus assez d'armes, il n'avait plus assez de soldats. Et ils avaient en face d'eux des ennemis bien armés. Et il va donner l'ordre d'attaquer l'ennemi sans attendre. Et ce courage-là a fait que l'ennemi a cru que non, c'était un piège qu'on leur tendait. Donc, il résume ça en disant que soyez des hommes d'action. Je peux planifier, avoir assez de projets pour ma vie, pour tel ou tel domaine. Mais tant que je vais m'asseoir, les portes qui sont déjà ouvertes vont sembler être fermées. Mais c'est quand je vais devenir un homme d'action, quand je vais aller sur le terrain, je vais me rendre compte que non, effectivement, il y a des difficultés, mais il y a assez de portes ouvertes, il y a assez d'opportunités. C'est parce que j'étais assis que je n'arrivais pas donc à les saisir. Voilà. Alors, on va aller un peu rapidement. Hein. Mmh. La quatrième leçon, c'est avec Christophe Colomb, j'ai un cœur résolu. Les leçons de Anne Frank, une fillette juive victime du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, mmh. qui permet de dire aujourd'hui, je vais choisir d'être heureuse. Okay. Être heureux malgré les difficultés, malgré la souffrance. Okay, c'est ça. Si on se réfère à l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille a vécu donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était juive et on sait que les juifs ont souffert donc du nazisme. Oui. Ont souffert donc des camps de concentration déployés donc par Hitler dans toute l'Europe. Cette fille a vécu donc en réclusion et elle est même morte pendant donc cette guerre. C'est après la guerre qu'on a découvert des journaux qui parlaient d'elle. Mais elle a dit à ce voyageur qui remontait le temps que c'est vrai, elle et ses parents, ils sont en pleine guerre, ils ne sont pas chez eux, ils sont en déportation, mais elle reste heureuse. Ça rejoint un peu l'idée de Ogmandino qui a dit de contrôler ses émotions. Elle dit aujourd'hui,
je décide d'être heureuse, je chante et alors je suis heureuse. Pour l'autre, la rencontre avec Christophe Colomb, là aussi, Christophe Colomb dit qu'il faut voir son succès dans son cœur avant que ce succès ne se manifeste. Voilà, donc c'est ce que je peux. D'accord. Alors, on va parler de pardon, hein, voilà, avec les leçons d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis d'Amérique de 1961 à 65. Je veux accueillir chaque journée avec un cœur disposé à pardonner. En quoi le pardon est nécessaire pour la vie de quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut réussir dans sa vie? Ok, ici, les leçons données par Abraham Lincoln, là, c'est pour montrer que la vie est un voyage. Et il dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Alors que le pardon nous permet de nous débarrasser des fausses charges. Quand j'ai dans mon cœur des ressentiments, des remords, je n'arrive pas à pardonner. C'est comme si je portais des fardeaux inutiles. Et je m'empoisonne moi-même. Je me retrouve en train de souffrir, même souvent pour des gens même qui ne sont pas au courant. Mm-hmm. Quelqu'un peut me blesser sans savoir qui m'a blessé. Moi, j'en fais une charge, un sujet de méditation. La personne n'est pas au courant. Et j'en souffre. Et toutes ces charges émotionnelles, ces charges dans l'âme-là, bloquent ou entravent la bonne traversée du voyageur. Donc, Abraham Lincoln dit que, on sait que ça a été un homme qui a beaucoup souffert, qui a été méprisé par sa société et avant de devenir président, et qui a même été assassiné, donc tué, pendant qu'il était président des États-Unis. Donc, c'est une somme, cet homme-là, sa vie-là est une somme de blessures, une somme donc de situations difficiles. Mais la leçon qu'on tire là, il dit qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. Parce que pardonner, ce n'est pas faire du bien à celui que j'ai pardonné, c'est d'avoir même faire du bien. Parce que j'ouvre les portes de ma vie pour recevoir les grâces célestes. On s'intéresse aux leçons qu'on retient de l'ange Gabriel. Mm-hmm. Voilà, en vue de la réussite, je vais persévérer sans me relâcher. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de l'ange Gabriel? Ok, ici, l'ange Gabriel va parler de deux choses. Persévérance et la foi. Et il dit que dans le langage divin, les termes cartésiens n'existent pas. Par exemple, le terme est impossible. Mm-hmm. Ou est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est réaliste? Ça n'existe pas. C'est une question de foi. Et il dit que les hommes doivent concevoir leur projet pas sur la base du réalisme, pas que c'est mauvais d'être réaliste, mais quand il y a trop de doses de réalisme là, il n'y a plus la place pour des exploits. Si je suis assis avec 5 000 francs et je monte un projet de 5 000 ou 10 000 francs, bon, il n'y a pas de foi. L'homme doit aller au-delà donc de ce qu'il voit, oser poser des actes où il sait que personnellement c'est impossible. D'accord. Et maintenant, passer par la persévérance, par l'engagement et la concentration, pour parvenir donc, nous sommes dans un monde où les gens sont trop réalistes et le réalisme bloque la vie de beaucoup de jeunes. Le chômage est une réalité, les crises multiples qui frappent la jeunesse sont des réalités. Mais il faut voir derrière ces réalités là quelle est la vérité qu'on peut saisir pour changer sa vie. Alors, docteur Ouedraogo, nous sommes un peu pris par le temps. C'est vrai que le livre est vraiment passionnant. On va permettre aux téléspectateurs de chercher le livre pour découvrir les secrets qui s'y trouvent, car on va vous parler de l'homme le plus riche de Babylone. Et dans cet ouvrage même, on a plusieurs secrets ici pour permettre aux lecteurs de réussir, d'entreprendre. Alors, on va dire aux téléspectateurs, où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là? Ok, ce livre-là, on peut le trouver à Ouagadougou, à Librairie Jeunesse d'Afrique, à Mercury, et puis dans les librairies en face du Sénaza. Mais le livre aussi est disponible dans toutes les grandes villes du Burkina Faso. Et je pense que ceux qui veulent aussi peuvent m'appeler. Et on pourra donc leur trouver ce livre-là, si c'est par colis où qu'ils sont. Comme vous l'avez dit, il faut préciser que c'est une synthèse, c'est une restitution de documents que j'ai lus et j'ai trouvé très riche.
C'est ça. Je n'ai pas voulu aller au-delà de ça. J'ai fait des commentaires, des explications de ces écrits. Okay. Et c'est des livres souvent qui font 200 pages, 300 pages. Vous donc résumez. Ça a été vraiment un effort de résumé. Voilà. Trois livres de 200, 300 pages en une centaine de pages. Ça, donc c'est très riche. Pages. 130 pages. Tome 1, il y a jusqu'à combien de tomes? Et il y a, jusqu'à trois tomes actuellement tomes. Qui voilà. sont disponibles. Voilà. Et dire merci aussi à la maison d'édition Arc-en-Ciel qui m'a accompagné donc dans la production de ces livres. D'accord. Un contact? Mon contact, c'est le 76 26 71 90. C'est mon contact WhatsApp et mon contact D'accord. téléphonique aussi. On aura l'occasion de parler des autres tomes dans d'autres émissions. Ok, merci bien, monsieur Souré. Ce fut un plaisir d'être sur votre plateau. Et merci à toute la maison Civica. Et merci aussi aux auditeurs pour leur attention. Voilà. Alors, c'est tout pour ce numéro Lisons Ensemble. Nous recevions sur ce plateau le docteur Yacine Wendlarima Ouédraogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.